Non, mais en fait, je ne sais pas. Nous sommes tous qui ont en tant que bah, citoyen, bah, na Congo, tu répondre à qui n'a appel et à un mouvement citoyen. Oyo, justement, bah, initia qui marche wana pour protester contre bah, propos négationnistes. Il y a M. Vincent Karega. Je crois que Bolanda qui tweet, il y a le président élu Martin Fayulu Madidi, ou Asenga qui était ambassadeur, wana, il ne faut pas expulser. Donc, ça dit que c'est dans le cadre de Rwanda. Le bah, mouvement citoyen bah, qui a la même démarche. Voilà pourquoi M. Tokendaki, personnellement, pour la soutenir Bango, parce que nous estimons que bah, propos Atenaki est un bah, propos totalement inacceptable. Tu ne peux jamais qu'on dit Mayango. Mais les combats de diplomatie, ça c'est quelle diplomatie? La diplomatie, M. Chilombo ne peut rien faire contre le Rwanda. M. Chilombo a fait des couvertes au Rwanda. Donc, à Koki Kosala, et Lokomoko Malonga, mais le peuple aussi a le droit comment, de manifester sa désapprobation. Donc, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître le peuple congolais droit à Kolomba, à propos de la normalité, il faut qu'il y ait. Maintenant, sur le plan diplomatique, nous trouvons qu'il faut Moutouana, Bazon, c'est pas la Bango, parce que à fini mémoire, il y a un million de morts congolais et ça c'est totalement inacceptable. Voilà, président, nous avons intéressé comment la paix de l'Utsoulika a rencontré le président Martin Fayulu Madidi, le président Perdo Mori. C'est pour parler sur violation constitution où le président Félix Tshisekedi a été évoqué. On a invité le président Félix Tshisekedi, le président Martin Fayulu a comme contenu sous son baillis moro et a été son au pouvoir. Parce qu'il va trop pas que sur le loup, il s'est dit qu'il a institué, c'est que. Bon, d'abord, le Cambozali a besoin du Camboya, respect à la Constitution. Respect à la Constitution, Moutoumo côté Azali, Nicolo et la Constitution. Ok? Combat, il y a président Fayulu Azali, combat, il y a respect, il y a Constitution. Même combat et vérité des urnes, et j'allais combat, il y a respect à la constitution, c'est-à-dire respecter la souveraineté de notre peuple, au j'allais l'article 5 de la constitution. Donc la constitution est impersonnelle. Et la constitution va s'appliquer dans Moutou Nyos. Alors, ce qui est là, c'est que M. Chilombo a violé la constitution. Tant qu'il a sali ordonnance, il y a un juge de la Cour constitutionnelle, a violé la constitution. Il ne fallait pas Fayulu Alobayango. Il fallait Fayulu a cautionné violation à la constitution. Aïe que nous devons être fanatiques de la République et non des individus. Il est fanatique de la République. Voilà pourquoi il soutient la constitution qui en fait est la loi fondamentale qui organise la République. Donc, et le calibre soit tout fait. Est-ce que FCC est le moins en pouvoir? FCC est le moins en pouvoir, FCC est en pouvoir, basan en pouvoir. Bango na chilomo, basan alliance, basan en pouvoir. Mais basan bosanake, tamo mwamba, c'était le ticket de Chilombo et de Kabila. Rappelez-vous, élection dans le Sénat, le ticket FCC cash, c'était le ticket tamo mwamba, Sami Balibanga. Donc, ce que tu as dit, c'est que Sami Balibanga. Il a dit que Tamou Mwamba a occupé un poste important. Et puis, il a dit que semblant. Parce que nous savons que et Tamou Mwamba et Chilombo, ils sont tous au service de Kabila. Donc, rien ne va changer. Tamou Mwamba égale Chilombo égale Kabila, c'est la même chose. Et donc, comment il va changer? Exacté. Et puis, mais, Bissot, Tokoki ko piétiné constitution te pour n'importe regarder ben intérêt mon partisan non et puis biso
tout le Félix Tshisekedi a violé la constitution. Et ça, amateurisme, a violé la constitution à tout bout de champ. Donc, c'est une question de principe. La constitution ne peut pas être violée comme ça. La constitution ne peut pas être piétinée comme ça. Et à chaque fois que la constitution sera violée, Tokozalawana, Bisso peuple, Longona, Fayulu, Botoloba ne sont pas d'accord. Donc, Kosala, Fayulu ne fait pas le jeu du FCC. Fayulu fait le jeu de la constitution, le jeu du peuple. Il fait le jeu de la République. Il est du côté des gens qui respectent les textes, qui respectent la constitution. Mais la conséquence, c'est le législateur qui a prévu. C'est le législateur qui a prévu, c'est comme ça que c'est prévu dans notre constitution. Ce que Tshilombo a violé la constitution et que ma poursuite judiciaire est côté Balongolié, c'est ce qu'a prévu la constitution. Donc ils disent qu'ils sont des alliés, ils ont le pouvoir. Alors nous voyons que c'est une même famille politique. D'ailleurs, nous, pour nous, ça sera une occasion parce que moi, quelques mois, on va mettre la pression, on organise des élections anticipées. C'est tout ce que nous demandons depuis tout ce temps, l'élection anticipée. Mais c'est malhonnête de dire que nous sommes en connivence avec le FCC. Non. Ceux qui sont en connivence avec le FCC, c'est l'UDPS. Nous, toi, signons un accord, Natita Kabila, c'est Tshilombo, c'est pas Fayulu. Parce que Fayulu, ce qui a signé un accord, Natita Kabila, mais le Tshilombo, c'est Kabila. Donc, il faut que les choses soient claires. Ici, il s'agit de la constitution qui ne doit être violée par personne. Article 158 de la Constitution notamment. Il faut qu'on respecte Miboko. À respecter Miboko, il n'y a pas changé. C'est tout. Il n'y a pas de salam alam, non. Salam alam, en respectant les lois de la République. Les fonctions du président de la République sont bien définies, la prérogative des alliés bien définies dans la Constitution. C'est clair. Donc là, il a violé la Constitution et c'est inacceptable. Les alliés ont voté que la juge de remplacé deux juges dans la Cour constitutionnelle. Des Cours constitutionnelles, et comme madame, d'abord, remplacement au PESA illégal parce qu'il est violé les lois portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Il a nommé deux juges issus d'une même province. Donc, toujours, nous sommes dans une république, il faut être respectueux des textes, respectueux de la Constitution. C'est tout à fait ça, pas autre chose que le respect de la Constitution. Est-ce que la démarche menace que doit s'y aboutir? Nous sommes dans une menée de marche en côté. D'accord. Nous sommes menés de marche en côté. Nous toujours soutenir. Et donc, de toutes les façons, pour aboutir ou pas aboutir, ça on va voir. Mais vous ne pouvez pas refuser aux Congolais le droit de saisir les instances judiciaires pour réclamer réparation et notamment Kosengaete Tshilombo à l'état devant justice parce qu'il a violé la constitution. On ne peut pas refuser aux Congolais ce droit-là, c'est leur droit. Nous avons toujours suivi un test de la gouvernance. Nous avons toujours un débat qui est passé au Parlement. Nous avons toujours un terreau de dissertation sur le monde qui a été violé. Nous avons toujours un test de la gouvernance. Donc, beaucoup d'insécurité partout, spécialement à l'est du pays, en massacre de Salim Akuna, parce que l'État est faible, parce que l'armée est faible, parce que l'armée est infiltrée, parce qu'il y a un manque de leadership au sommet de l'État, parce que nous avons des institutions illégitimes. Il y a beaucoup de raisons, mais fondamentalement, c'est le fait qu'il n'y a pas un leadership éclairé et visionnaire. Si je peux me permettre ainsi, la tête en boca, c'est ça la vérité. C'est sécurité ça partout, les lots partout dans toutes les provinces, c'est la même chose. C'est vrai que l'économie soit à l'est, ça connaît comme un peu plus avec les groupes armés et tout ça. Donc, il y a responsabilité à l'État, il y a ma capacité, leadership, il y a ma capacité. Voilà pourquoi le président Martin Fayulu Aloba qui soki à Komina Bokondi, il fallait qu'il base logistique à RDC et qu'il est à l'est. Tout le monde a créé ce qu'on appelle le brigade spéciale de protection de frontières, pour renforcer
réforme et armée pour l'Angola, infiltré Nyonso, bateau Nyonso, comment dire, bateau en armée pour l'Angola, bébé ça va pinga la mission. De façon que Congo est une armée incapable de sécuriser le territoire national Moubimba. Donc, c'est ça, nous déplorons cette insécurité qui devient générale. Et je crois que le peuple a raison de se battre pour que l'institution légitime et la Mbonga et Fana na Mboka pour basala réellement Moussala pour la bana écolo. Non, recensement est allé ma bête. Mais il ne faut pas qu'on s'appuie dans le recensement pour qu'on repousse l'élection. Ça, c'est inacceptable. Et puis, recensement, moi, et Bimi Karasiko, tant que tu as eu l'élection en 2018, tout ce qui est recensement, tu as eu l'identification, il y a un corps électoral. C'est ce qu'il faut faire. Fiabiliser les fichiers électoraux, faisons le truc, allons aux élections. Il n'y a pas de faux fouillants. Donc, il ne faut pas que, bah, il y a la mise au logique. Au moins, attendre que Kabila Kenate, c'est lui qui est au pouvoir. Tout ça, ce sont les manœuvres de la Kabylie. C'est comme ça que la Kabylie fonctionne. Et l'UDPS est dans la Kabylie maintenant. Donc, prendre prétexte, il y a recensement pour repousser les élections, c'est totalement inacceptable. Donc, ça, je crois que notre position est claire, très claire là-dessus. Pardon? Non, on ne peut pas prendre prétexte sur le recensement pour repousser l'élection. C'est totalement inacceptable. Oui, ça va. Ça va bien. C'est comme si il y a des personnes qui ont présenté la présence de la musique. Pourquoi? Tout ce que vous avez présent Martin Fayou, tout le monde est caca. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pardon, d'ici là, beaucoup moins là, Présidium et ça a communiqué par rapport à la situation à Mboka. Donc la Mboka continue à exister, malgré quelques difficultés, ils en ont raté parce que Bazali, mais la Mboka continue à exister, d'autant plus que la Mboka, c'est d'abord un état d'esprit. La Mboka, c'est le peuple organisé dans le combat pour la vérité des urnes, donc la Mboka existe. Pour exemple, nous sommes Même hier sur ma scie, on a qui nous a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons donc Mike c'est un Judas, Apolline Zéla n'a pas de problème. Et puis, qui m'a dit. Donc, je dis que Mike c'est un Judas, je le dis comme ça. Donc, Apolline Zéla n'a pas Il y a eu un peu de poids, il y a pas de problème. Mais ça, ce sont des distractions, ma casse. Tout ça, il y a un problème, il y a ma casse dans mon cas, il faut s'occuper de moi. Problème de sécurité, tout ce que le bangoir. Problème social, à peu près, on a mis sur. Tout ça, il y a ma cambra, réforme, pour la ressource, on a mis tout ça, on a pour la ressource. Donc, je crois qu'on ne va pas perdre le temps avec les Mike et consorts. Ils ont pris l'argent pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais il ne faut pas comprendre que beaucoup de gens ne sont pas en train. Donc, ce qui peuple déjà ça côte ici, il y a un embouteillement à bateau. Bon, ça, la campagne à diabolisation des Bolingui, le peuple est toujours attaché à Fayoulou. Rien à faire, ils sont en train de perdre leur temps. Nous, on continue. Et quand tu as partout dans le monde entier, à travers mon monde, il me fait chier les yeux de l'ancien Amaro. Oh, il va te mettre les bâtons qui n'est pas dans la mouka, la mouka est bouffée, la mouka est bouée, la mouka est bouée.
Donc, la Mouka existe, c'est un état d'esprit, c'est le peuple congolais. Nous continuons le combat. La Mouka, ce n'est pas ni Fayulu, ni Mouzitu, ni Bemba, ni Moïse. Et ils sont que des leaders qui incarnent le combat de la Mouka. Mais véritablement, la Mouka, c'est d'abord le peuple qui est assoiffé du changement et qui est engagé pour comment dire, accéder à ces changements. Donc voilà. Merci, président. Merci beaucoup.